J'aimerais partager avec vous quelques anecdotes et choses liées à notre répertoire et ces gens qui ont écrit pour cet instrument que nous adorons, qui est le saxophone. En premier lieu, peut-être une dame peu connue ou sûrement mal connue, il s'agit d'Eliza Hall, qui est à l'origine de tout ce répertoire écrit au début du XXe. William Street a fait une thèse sur elle, et à la lecture de cet écrit, j'ai changé beaucoup ma vision de cette personne. Donc, Eliza Hall était une Américaine née en France, mais qui, pour des problèmes de surdité, a commencé le saxophone sur la vie de son mari, qui était médecin. Elle s'est retrouvée veuve jeune, argentée, et